Good morning from Paris. Welcome to the audience of this webinar number 5 from the Global D1, focused on the doing business in Saudi Arabia. This one will be a bit original because we will share a discussion both in English and in French. Je suis heureux d'accueillir les panélistes qui nous ont rejoints. D'abord, first of Kate Dorian from London. Kate is an expert for Middle East and Gulf States. She is a non-resident fellow of the Arab Gulf States Institute in Washington and a regional manager for the World Energy Council. Kate will provide us with insight and perspective on the Saudi business and economic challenges facing COVID and geostrategic environment, both in the region, but also in connection with the American relationship. It will be for the conclusion. Trois panélistes vont représenter des entreprises françaises déjà présente en Arabie Saoudite. Guillaume de Roubaix, qui est le directeur général de LexisNexis MENA, qui nous rejoindra vers 11h30 et qui nous présentera le nouvel environnement juridique favorisant l'investissement, mais également le fonctionnement du business, des affaires, de la fiscalité en Arabie Saoudite. Grégory Fayet, lui est le CEO d'EDF Renewable pour l'Arabie Saoudite. Il est également conseiller du commerce extérieur de la France. Donc, il sera à même de donner des conseils utiles à tous les entrepreneurs ou à tous ceux qui s'intéressent pour aller justement doing business in Saudi Arabia. But il l'expliquera en français. Ça sera mieux entre français, on se comprendra. Et puis, je suis heureux aussi d'accueillir François-Xavier Hall, qui est un fin connaisseur de l'Arabie Saoudite. Alors, je crois, Grégory, vous êtes à Dubaï actuellement, après avoir... non, Grégory est en Arabie Saoudite. Il est à Riyad. Et c'est François-Xavier qui représente Air Liquide, qui est le vice-président Air Liquide pour Middle East et India, qui a longtemps vécu en Arabie Saoudite, mais qui aujourd'hui regarde l'Arabie Saoudite d'un pays voisin. Et je crois qu'il est à Dubaï, hein, François-Xavier. C'est exact. Voilà. Et également très actif au sein du conseil, enfin des conseillers du commerce extérieur de la France. Donc, ils nous parleront tous les deux de leur métier, qui est sur l'énergie, les enjeux du mix électrique, l'hydrogène, tous les projets d'économie circulaire qui se mettent en place en Arabie Saoudite. Mais nous ferons part également de comment la communauté française interagit et comment les Français essayent de tenir leur place dans le business en Arabie Saoudite. I switch again to English for a speaker. They are both French and English speaking audience. Just to make before Kate, that will be our first panelist, but I would like to introduce what is Saudi Arabia. The Kingdom of Saudi Arabia is, after Algeria, the second largest country of the MENA zone. With more than 33 million inhabitants, Saudi Arabia is, with Egypt and Iran, one of the most crowded countries in the region. The country, Saudi, is named according to the ruling family. And we have to mention that Mecca and Medina are the two holy cities for Muslims all over the world. In our last newsletter, number 4, our colleague from Saudi Arabia, Soha Al-Arbi, will join us in a few minutes. Introduced in her article some important business figures to be noticed. 70% of the population is now under 30, and women are now more than 30% of university graduates. The pressure for change and better life is important, as far as bad news on economic level or pushing for a new approach of development and vision for the next decades.
oil with lower prices is still representing 2/3 of Saudi export, but the kingdom has only now 12% of the global market. The decrease of oil prices is by 65% for the last 18 months. With COVID crisis, demand is declining. Vision 2030 was planning 100 million visitors by the end of the 20s, but pilgrimages have been canceled and tourism fell in Saudi Arabia by 45%. The unemployment rate by youth under 30 is reaching 60% and over. Less revenues, more taxes, VAT since 2018, about 2.4 million inhabitants are getting a state financial support. Per capita GDP is largely below other Gulf countries, and we have to mention it, and we will discuss it with our French colleagues. Millions of expats have left the country versus policies encouraging Saudis to go to work. In 2022, public debt could reach more than 50% of the budget, according to official sources. But we have some good news to mention and to balance this critical first approach. The kingdom will invest $20 billion in R&D on artificial intelligence till 2030. Renewable energies, energy mix, and support to small and medium companies, as far as welcome to foreign companies and investment, will focus Saudian support in the coming years. Al Ula project with French savoir-faire and technology will open the door for tourism visas in the country. The kingdom, for example, decided to refurbish recently the House of Lawrence of Arabia in Yanbu on the Red Sea. French companies are winning challenges such as SOR for the water management resources in Medina and Tabuk, or CGC Sursol providing earthquake protection. To be noticed too, a Google company announcement on Blue Haman, 8,000 kilometers of fiber optic cables from India to Saudi Arabia to provide cloud computing in the MENA zone. Kate, what can you answer to these figures, both bad and good news, but could you give us your perspective as a Middle East analyst and expert on energy? Thank you, Eric. I think you've said most of it. I was listening to another webinar the other day, and there was the head of commodities at one of the big financial institutions. And he said, if the world was producing only 20 million barrels of oil a day, Saudi Arabia would be producing 10 million of that. Now, that is a bit of a far-fetched scenario, because we know that oil and gas are going to be part of the energy mix. Even with the transition, you're still going to have about 50%, 25-27% for oil and gas respectively. And I think Saudi Arabia has proved that it is a reliable supplier of energy to the world. It is in many ways the central bank of the energy world, because it has that spare capacity, which is part of its policy to maintain spare capacity at all times of 1.5 to 2 million. Of course, there's more of it now because of the production cuts. And one of the big challenges, I think, at the moment is because of the collapse in oil prices and because of the collapse in demand, which we saw earlier in the year, Saudi Arabia is having to carry out these very ambitious reforms on less revenue. And, you said it, oil still accounts for a large chunk, about 60% of state revenues. We've seen a slight change in the third quarter in that non-oil revenues were actually higher, partly because of the implementation of that VAT that you said went from 5 to 15%. How that is going to actually impact economic growth, whether it's going to hold it back or not, I don't know. But, we have seen there is a large
contribution from the state sector, which is needed in order to stimulate the non-state sector, the private sector. And we haven't really seen that much movement on that. Obviously, coronavirus, the pandemic, has actually put a hold to that. And a lot of what we've seen so far for the state to generate revenue comes from oil or oil-related industries. So it was a privatization of Aramco, the acquisition of SABIC by Aramco. So that, you know, put some money into the coffers. But we haven't seen that much interest in other assets, in other state assets. And I think you need, and a lot of the projects that are being touted as stimulating non-oil economy rely so much on oil revenues coming in at a certain level. And at the moment at about 40, just under 50 per barrel for Brent crude, it's a bit short of the state's requirements. But we have seen a lot of changes, as you said, the labor laws, the fact that there is a push to digitalize, they've set up an organization from that. And I think one of the interesting developments that we've seen in the last year is when there was an attack on the Abqaiq oil facility in Saudi Arabia, which is the biggest in the world, it knocked out about half of total production capacity. And they brought it back so quickly that everybody was stunned. You know, we all thought that. And the market, I think, has now factored in the fact that even though there have been incidents involving oil facilities, ports, etc., it has the capacity to actually, you know, still supply oil to the world. And it's taken a leadership role. I mean, G20, the presidency of G20, the hosting of the G20 summit had it taken place physically in Saudi Arabia, would have been an opportunity for the country to showcase its the changes. I mean, all of us who've been to Saudi Arabia have noticed the tremendous change in, you know, the social reforms that have been implemented, the fact that there is easier to get into Saudi Arabia, the visas have been streamlined. I used to go in and they used to have these machines where you had to put your finger on and it would take ages and it wouldn't take, you know, the fingerprint. And I said to them, you produce 10 million barrels of oil a day and why can't you get this right? Yeah. So now it's a lot easier. You get your visa on arrival like you do in Dubai and other Gulf states. So I think there's been some positive change. Of course, one of the problems that Saudi Arabia has is that it has to defend the dollar peg. And that I think puts pressure because it has had to dip into its foreign reserves. Aramco has had to resort to the debt market to pay its $75 billion to its shareholders, of which, of course, the Saudi state is the biggest. And of course, that royalty payment goes up if the percentage goes up if oil prices rise, so, which at the moment they're not. So I think there is, as I said, the pressure is to create jobs. As you said, youth unemployment is very high. You've got 70% of the population is under 30. Again, when I was in Saudi Arabia a couple of years ago, I jumped into an Uber and I said, we stopped at a checkpoint and the guy said to me, oh, I'm really, really sorry. I couldn't tell them that I'm an Air Force pilot. And I said, what are you doing driving an Uber? Don't they pay you enough? And he said, yeah. I said, well, don't you get tired? He said, no, I fly for 4 hours. We get debriefed. I fly another 4 hours. And then I drive this car. And I'm thinking, God help us. But it was just an indication of how a lot of these young people, they want to go out. They want to leave their parents' homes. They want to get married. They need jobs. But there hasn't been to date as much private, say, I mean, you know, the job creation comes from private, from SMEs. Mm-hmm. And we haven't really had that because at the end of the day, the state owned and state backed entities are the biggest employers. And if you are going to have this Saudization program, which is underway, it's going to be a bit tougher, I think, for private companies to hire Saudis at higher rates. So that's another issue that's come up. Foreign direct investment has fallen far short of what was anticipated. So I think that is a function of what's happened to the global economy. But at the same time, I think the reforms came a bit after the announcement of the Vision 2030. So I think the infrastructure wasn't there to allow these reforms to continue. And the last thing I'm going to say is that, interestingly, and that opens paves the way for the other speakers, is that during the G20 summit, the
the leaders adopted the concept of the circular carbon economy. Now, a lot of people look at Saudi Aramco and say, oh, it's just about oil. Well, it's not, because they invest a lot in research and development. Let's not forget that the biggest green hydrogen facility is going to be in the futuristic city of NEOM, green hydrogen, which is produced from renewable energy, as opposed to blue hydrogen, which I think they're also producing, and they've shipped the first green hydrogen, blue ammonia, to Japan. So that's hydrogen produced from natural gas with carbon capture and storage. Aramco is also investing a lot, $110 billion in developing shale gas, because they need the gas. And we've seen in recent months that with the OPEC cuts, associated gas production has come down. So they're burning more fuel, liquid fuels and crude for electricity generation, which is again where the other speakers come in to talk about the renewables. We've seen record-breaking bids for solar. There is a target of 50% renewables by 2030, which may be a bit ambitious because we have to still reach the first target by 2023. But I will leave the other speakers to talk about all the new developments into renewables, the circular carbon economy, carbon capture and storage, which hasn't really taken off yet, but at least there is a pilot project, which I think is going to be expanded. As you said earlier, we talked about the possibility of nuclear for desalination, which is another big thing. Water stress is an issue. So with that, I will pass it on to the next speaker. Yeah. Thank you. Thank you for the introduction. You can take again the floor when you wish. You have just to ask for it, and we'll be happy to have your comments. Je vais maintenant switcher, comme on dit en français, vers Grégory Fayet. Et alors lui, il est réellement basé à Riyad, donc il est le local de notre webinaire de ce matin. Il est en charge de tous ces projets d'énergie renouvelable pour le groupe EDF, dont il représente les intérêts dans l'équipe de France, comme il le disait tout à l'heure, en Arabie Saoudite. Grégory, est-ce que vous voulez un peu compléter, peut-être donner des détails sur ces grands projets de mix énergétique qui sont un peu le défi de l'Arabie Saoudite pour les prochaines années? Bonjour Eric, d'abord, enfin, très honoré de participer à cette conférence du Global Diwan. Voilà, donc nous, effectivement, EDF est présent, nous sommes présents en Arabie Saoudite depuis un peu moins de 10 ans, et puis EDF Renouvelable, nous sommes présents en Arabie Saoudite, EDF Renouvelable étant une filiale du groupe EDF, nous sommes présents maintenant en Arabie Saoudite depuis 2 ans, parce que nous avons remporté le premier appel d'offres éolien qui a été lancé en Arabie Saoudite. Voilà. Je reviendrai un petit peu plus tard. Donc effectivement, comme le disait l'interlocutrice précédente, l'Arabie Saoudite a un programme très ambitieux d'énergie renouvelable. Voilà. Et ce programme vise à développer 60 gigawatts de capacité renouvelable d'ici 2030, de capacités qui peuvent être éolien ou solaire. Voilà. Donc, pour donner un peu un ordre de grandeur, parce que tout le monde n'est pas électricien, donc, vous voyez, en France, on a un parc installé qui est de 130 000 MW. 50% en capacité nucléaire, et puis nous avons également des activités renouvelables comme l'hydraulique et puis maintenant l'éolien et le solaire qui se développent. L'Arabie Saoudite a aujourd'hui une capacité installée de 60 000 MW et souhaite développer 60 autres 1000 MW d'énergie renouvelable à 2030. Alors, c'est un programme ambitieux, et on verra en 2030 ce que l'Arabie aura pu développer, et on verra ce que nous, société comme EDF Renouvelable, on aura pu développer. Aujourd'hui, ce programme marche, les appels d'offres sont lancés, les appels d'offres attribuent des projets, donc aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a un track record. Alors, les renouvelables, on pourrait se dire pourquoi, parce qu'effectivement, aujourd'hui, le mix électrique saoudien est essentiellement thermique, c'est-à-dire fonctionne soit au fioul, soit au gaz, avec un recours accru maintenant au gaz. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est l'un des pays au monde pour lequel les énergies renouvelables sont les plus compétitives. Voilà, c'est soit pour l'éolien ou pour le solaire, on est dans une zone dans le monde où on atteint des records du monde. Donc, l'Arabie Saoudite n'est pas seulement riche par sa capacité à extraire des hydrocarbures à un coût parmi les plus compétitifs au monde, c'est également le cas pour les renouvelables. Donc, nous, EDF, nous avons remporté
un projet éolien de 400 MW. Alors, pour donner aussi un peu un ordre de grandeur, EDF a récemment remporté, il y a des appels d'offres organisés par la Commission de la régulation de l'énergie, 12 projets solaires pour une capacité totale de 100 MW. Ici, en Arabie Saoudite, on est dans le pays des grands projets, aussi parce qu'on a une surface au sol qui est beaucoup plus disponible qu'en France. Et nos projets sur lesquels nous bidons sont des projets de 400, 600 MW. Donc l'Arabie Saoudite, puis plus globalement, je dirais, la région du Moyen-Orient, la région des Émirats, est une région qui est très dynamique sur sa capacité à lancer des grands tenders. Et on a également remporté, à titre d'exemple, un projet de 2000 MW de solaire aux Émirats arabes unis. Voilà. Donc le prix ici s'explique, ces prix compétitifs peuvent s'expliquer, je dirais au moins par deux paramètres. Un, la taille des projets, le volume des projets, donc des énormes projets en termes de capacité. Et puis aussi, évidemment, les conditions climatiques qui sont très propices au développement des renouvelables. Voilà, donc. Maintenant, en termes aussi de perspectives de croissance en dehors des renouvelables, c'est vrai que l'Arabie Saoudite va voir de nombreux de ses usages électriques croître, à l'instar de l'hydrogène. Donc, effectivement, je crois que ma collègue aussi précédente en parlait, l'Arabie Saoudite veut devenir l'un des leaders mondiaux en termes de capacité de production d'hydrogène ou d'ammoniac, peut-être pour l'exporter, parce que c'est un peu plus simple à exporter que l'hydrogène vert. Et donc, c'est pour nous aussi un nouvel usage pour l'électricité. Donc, on est plutôt, c'est plutôt toujours une bonne nouvelle d'avoir un nouveau consommateur, des électrolyseurs qui vont consommer de l'électricité et de l'eau pour produire de l'hydrogène vert. Mais je pense que sur ce sujet, je vais laisser mon collègue et ami François-Xavier peut-être en l'aborder. Voilà. Oui, qui dit hydrogène dit Air Liquide, et donc François-Xavier Hall est le vice-président d'Air Liquide pour la région. Il va nous parler d'hydrogène en particulier, et puis ensuite on reprendra la parole pour voir un petit peu, mais ça vous prendrez votre casquette de conseiller du commerce extérieur de la France pour voir un peu comment des entreprises françaises se supportent dans le sens anglo-saxon du terme, s'aident mutuellement. Vous me supportez bien, s'agit, je sais. Oui, très bien. Et comment elles s'entraident pour gagner les marchés. François-Xavier, à vous. Très bien, et merci beaucoup. Bonjour à tous, tout d'abord. Je vais donner mon éclairage et celui d'Air Liquide qui est très complémentaire à ce qu'on vient d'entendre de la part de Kate et de Grégory. Ayant vécu en Arabie Saoudite ces dernières années, comme beaucoup d'autres, j'ai vu de mes propres yeux plusieurs transitions. Une transition de société. Et on a aussi cette transition, c'est un marché global, l'énergie est un marché global, donc il y a cette fameuse transition énergétique. C'est deux mécanismes qui s'agitent en même temps, qui sont relativement abrupts en termes d'ampleur des modifications qu'ils induisent. Donc je ne vais pas répéter ce qu'elle dit très bien Kate, je pense que c'est toujours important de le dire néanmoins, le pétrole n'est pas totalement mort. Et le pétrole, s'il doit rester à un endroit, ce sera sans doute notamment en Arabie Saoudite, ça a été dit tout d'abord. Donc, il faut bien avoir cette notion de mix énergétique. C'est important pour bien comprendre le paysage. J'ai déjà mentionné le terme d'énergie de transition. L'Arabie Saoudite a l'un des plus bas coûts de production du pétrole et l'un des plus basses empreintes carbone à produire du pétrole. Donc, c'est très important dans un schéma global. Donc, il y aura toujours du pétrole dans le mix, c'était le premier élément. La transition énergétique, très clairement, le Royaume veut assurer je dirais, la pérennité de sa rente hydrocarbure. C'est la vision long terme qui est importante. Donc oui, il y a du renouvelable. Oui, il y a un engagement à la question climatique en Arabie Saoudite et ailleurs, mais aussi en Arabie Saoudite. Ça peut être quelque chose de contre-intuitif, mais ça existe aujourd'hui. On est le témoin, le ministre de l'Énergie. L'économie circulaire, vous en avez parlé. Ça, c'est l'angle pris par le Royaume pour s'attaquer à cette question climatique. Trouver un équilibre entre comment valoriser ses ressources et comment aussi répondre aux enjeux climat de la planète. Donc, c'est quoi l'économie circulaire ? Il y a une terminologie anglo-saxonne avec les quatre R, reuse, recycle, remove. Ça, c'est une terminologie un petit peu technique. Je pense qu'une autre façon de le voir, c'est l'enjeu est d'intégrer différentes filières pour faire une meilleure utilisation
de son industrie, de ses ressources hydrocarbonées et avoir une meilleure empreinte carbone. Donc, en un mot, et c'est la nuance qu'amène l'Arabie Saoudite pour moi, en contrario d'une vision européenne, par exemple, c'est que l'enjeu climat n'est pas nécessairement un enjeu bas carbone, c'est plutôt un enjeu bas émission. Donc, quelle est la différence entre les deux? C'est que si vous avez une économie basée sur les hydrocarbures, vous allez vraisemblablement toujours les valoriser. La question, c'est qu'est-ce que vous faites du carbone et comment vous le réutilisez dans différents secteurs. Donc, boucler la boucle entre le raffinage, la pétrochimie, la génération d'énergie, c'est ça l'enjeu énergétique de l'Arabie Saoudite localement, avec une vision d'export. Donc ça, c'est un peu dans le contexte dans lequel on se place. Et c'est toutes ces choses qui bougent autour de nous, qui sont assez fondamentales sur le business saoudien. Alors, bien évidemment, je ne peux pas résister à parler de l'hydrogène. Il y a un lien très évident qu'a déjà décrit Grégory. Beaucoup de renouvelables. Qu'est-ce que fait l'hydrogène aujourd'hui dans ce puzzle? C'est qu'il est un peu le chaînon manquant, où il va trouver sa place de chaînon manquant entre beaucoup d'énergie renouvelable et la nécessité de transporter cette énergie. Donc l'hydrogène, pour faire simple, c'est un vecteur d'énergie. C'est une molécule qui nous fascine, moi à titre personnel bien sûr, parce qu'il permet de stocker, de transporter et de décarboner une partie des industries qu'il est très difficile à décarboner. Donc l'industrie sidérurgique, le raffinage, la pétrochimie, ce sont les grands émetteurs de CO2, la génération d'électricité thermique évidemment, ce sont parmi les grands générateurs d'empreintes carbone. Donc notre positionnement et le business pour des compagnies comme la nôtre, c'est de s'insérer dans ce schéma, dans l'économie circulaire du carbone, dans l'économie de l'hydrogène, et amener une vraie réponse d'efficacité. Une réponse d'efficacité en termes d'utilisation du capital, parce que les temps sont durs maintenant, et en termes d'efficacité énergétique, parce que la question climatique et la question carbone est fondamentale. Et c'est dans cet environnement qu'on se positionne. L'hydrogène est effectivement un secteur très porteur qui génère beaucoup d'engouement. Donc c'est comme ailleurs en tout cas, mais particulièrement en Arabie Saoudite, Kate l'a mentionné, c'est là qu'on y fait les plus gros projets, c'est là où on prend les décisions les plus ambitieuses également. Donc c'est très intéressant à suivre, c'est très intéressant d'être un acteur de ce marché. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces projets, c'est dans le domaine public, enfin, quels sont les... Vous candidatez, vous avez déjà commencé à réaliser des choses Oui, alors... Qu'est-ce que vous pourriez dire sur le... Quelques éclairages... Un petit peu comme EDF, Air Liquide est présent en Arabie Saoudite depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et je pense que ça ne surprendra personne, c'est une région du monde où il y a une nature du temps long dans le business, puisque le thème est celui du business parmi nous aujourd'hui. Oui. Je pense qu'il faut prendre le temps de s'installer, de se faire connaître. Il faut s'ancrer à la fois dans la culture business du pays, à la fois en termes de localisation, qui est un anglicisme pardon pour ça, c'est-à-dire, voilà... travailler en Arabie Saoudite avec des talents saoudiens que l'on forme, que l'on développe. Et c'est comme ça qu'on s'insère, qu'on s'intègre, qu'on s'ancre dans l'écosystème. Donc ça, c'est ce qu'on fait, nous, depuis un peu plus de 10 ans. Et on a, voilà, il y a une transition énergétique dans l'hydrogène. On passe, je crois que Kate a parlé, il y a plusieurs nuances de couleurs dans l'hydrogène. Quand il est sur base hydrocarbure, il est fait à partir de gaz naturel ou d'hydrocarbone. Il devient bleu quand on commence à capturer le CO2 et il devient vert quand on le produit à partir d'énergie renouvelable. Dans toutes ces nuances, Air Liquide est déjà présent et on a déjà des opérations, en particulier sur la base hydrocarbure. Mais effectivement, on est très actif sur des projets pour l'hydrogène bleu de demain et ainsi que le vert. Très bien. Kate, you want to take the floor again to comment our... Gregory and François-Xavier analysis. I'm just waiting for Guillaume in a few minutes to take the floor about legal environment of doing business in Saudi Arabia. Actually, I'm here. Oh, please. Oh, fine. Welcome. Bonjour, Guillaume. Tu vas parler en français. Tes slides sont prêtes à être diffusées à l'écran par Vincent, notre directeur de la communication du Global D1. Donc, Guillaume est le troisième Français de l'équipe. Il va nous expliquer un petit peu, peut-être avant de passer les slides, qui il est sur la zone MENA avec le groupe LexisNexis et puis nous dire un peu son approche
non pas intuitive, puisqu'il y est, il y est déjà depuis quelques années, comment il opère sur ce marché saoudien et les changements qu'il observe également. Guillaume, je te laisse la parole. Bien volontiers, merci beaucoup Eric. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de participer à ce webinaire du Global Divan. Effectivement, peut-être que dans les quelques minutes de présentation que j'ai la chance de pouvoir vous proposer, trois temps, je dirais quelques mots sur LexisNexis très rapidement. Vous dire comment nous travaillons en Arabie Saoudite, et puis vous donner quelques éléments sur le cadre juridique qui est en train d'évoluer à une vitesse incroyable. Et même si je ne suis moi-même pas juriste, je pourrais vous donner en tout cas quelques guidelines qu'il sera tout à fait possible de creuser ultérieurement. Alors, LexisNexis. Effectivement, je suis directeur général de LexisNexis pour la zone MENA. Nous avons des bureaux à Dubaï et à Casablanca et des partenaires qui sont présents dans plusieurs pays de la zone, au Liban. Notre partenaire principal qui s'appelle Sader Publishing, en Arabie Saoudite, au Koweït notamment. LexisNexis est un groupe international d'information professionnelle et particulièrement juridique qui appartient au groupe RELEX. C'est un grand groupe, le premier groupe mondial d'information avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 7 milliards de dollars et environ 30 000 collaborateurs. Nous travaillons dans cette zone MENA depuis maintenant 7 ou 8 ans et notre travail, notre mission, c'est d'une part de faire en sorte qu'au quotidien, nous favorisions l'essor de ce qu'on appelle le « rule of law », j'en dirai un mot tout à l'heure, dans le monde entier, dans cette zone en particulier. Et de manière plus prosaïque, ce que nous cherchons à faire, c'est à permettre à nos clients, qui sont en général des juristes, donc des cabinets d'avocats, des entreprises, des juristes du secteur gouvernemental, leur permettre d'accéder à de l'information juridique et fiscale pour elles-mêmes lorsqu'il s'agit de gouvernement ou d'entreprise, ou bien pour permettre aux avocats de prodiguer les meilleurs services et conseils à leurs propres clients. Donc, l'information juridique, ça va être quoi? Ça va être accéder à la loi, accéder à la régulation, accéder aux décisions de justice et à des dizaines de milliers de contenus à valeur ajoutée qui vont être très orientés vers la pratique, vers l'opérationnel. Et c'est un élément qui est extrêmement important lorsqu'on cherche à faire du business dans le monde entier, mais en particulier dans cette zone, finalement, de connaître quel est le climat des affaires en général et le climat juridique en particulier. Dans ce climat des affaires, la dimension juridique est extrêmement importante. Est-ce que le droit existe? Vous le savez tous, pour faire du business international, qu'il y a beaucoup de pays où il y a véritablement, si vous me passez l'expression, des trous dans la raquette, hein, dans le cadre juridique, ce qui met votre investissement potentiellement à risque. Quand le droit existe, est-ce qu'il est conforme à des standards internationaux, ce qui est aussi un autre sujet. Et puis, au-delà, c'est est-ce qu'il est accessible? Et il existe de multiples cas où le droit existe, mais on n'y accède pas tout simplement. Et donc, nous, notre travail, ça consiste à rendre ce droit accessible, d'une part en le traduisant, quand c'est nécessaire, de l'arabe vers l'anglais, ou parfois de l'arabe vers le français. Mais là, en l'occurrence, quand on parle de Saoudi, on parle bien de l'arabe vers l'anglais, de le rendre accessible en arabe, évidemment, dans sa langue originale, et puis de l'expliciter. Et de l'expliciter, c'est-à-dire en faisant en sorte de l'expliquer, de le rendre concret pour les utilisateurs. Donc, nous avons constitué une énorme base de données sans équivalent de dizaines de milliers de documents juridiques qui s'appelle LexisNexis Middle East Law. Et nous avons fait un focus très particulier ces deux dernières années sur l'Arabie Saoudite, parce que, comme ça a sans doute été dit depuis tout à l'heure par les différents intervenants, l'Arabie Saoudite est perçue au Moyen-Orient comme une zone d'expansion, un nouvel Eldorado, si on passe l'expression, avec toute la mesure que derrière ça nécessite d'apporter. Mais
Nous qui travaillons beaucoup depuis Dubaï dans toute la région, encore une fois, sans surprise, on voit bien que aujourd'hui l'Arabie Saoudite est perçue comme sans doute le premier pays à fort potentiel dans la région. Et donc, on essaye d'apporter cette sécurité en apportant ce cadre juridique. Est-ce que tu peux couper la réception de tes mails? On entend les... Ah, pardon. Oui, tout à fait. La petite musique de fond, mais c'est juste un détail. Absolument. Je vais le faire tout de suite, pardon. Merci. Comment nous travaillons en Arabie Saoudite? Alors, il y a plusieurs manières de travailler en Arabie Saoudite, avec un cadre, comme l'a dit Eric tout à l'heure, qui évolue extrêmement rapidement. Moi, je vais à Riyad deux à trois fois par an, et je dirais qu'à chacun de mes déplacements, je vois des évolutions de tout point de vue. Comment nous travaillons, alors si peut-être on peut diffuser les slides, il y a plusieurs manières de le faire parmi elles. L'une d'entre elles, c'est de s'installer à Riyad avec une entité juridique. La nôtre n'a pas été celle-là dans un premier temps, et peut-être que nous y arriverions si nous avons fait le choix de travailler avec un partenaire. Donc nous n'avons pas, nous, LexisNexis, d'entité juridique à Riyad ou par ailleurs en Arabie Saoudite, mais nous travaillons avec un partenaire. Ce partenaire, en l'occurrence, est une société qui s'appelle Burhan Al-Marifa et qui est détenue et dirigée par une princesse saoudienne de haut rang, qui est elle-même une avocate qui a fait son parcours aux États-Unis, son parcours d'éducation aux États-Unis. Et ça, je crois que c'est l'expérience que je peux et le témoignage que je peux porter, c'est que il est souvent important d'avoir un partenaire en Arabie Saoudite et un partenaire qui soit bien positionné sur l'échiquier. C'est un pays difficile à comprendre, l'Arabie Saoudite. C'est avec des process de décision qui sont assez complexes. Et il est important de pouvoir s'adresser aux bonnes personnes. Et souvent, on le voit, et je pense que c'est une expérience que les uns les autres, on a pu peut-être connaître, on peut perdre beaucoup de temps à ne pas parler aux bons interlocuteurs. On est quand même sur un pays qui est très étatisé. Et donc, le circuit de décision passe un moment par des circuits politiques ou des administrations. Et donc, il faut s'assurer d'avoir un partenaire qui vous permette d'accéder aux bonnes personnes qui vous permette aussi de comprendre les ressorts d'un projet. Donc nous, c'est l'expérience que nous avons eue et nous avons construit une relation de très grande qualité, de très grande confiance avec la princesse Hala qui dirige Burhan Al-Marifa et qui nous a permis ces dernières années, à la fois, donc, comme je le disais, de constituer une base de données avec des contenus juridiques et fiscaux, j'en parlerai tout à l'heure, saoudiens, encore une fois sans équivalent, mais également de travailler sur des projets qui sont des projets liés de manière générale à ce qu'on appelle la sophistication du cadre juridique et fiscal avec des ministères, avec SAGIA, qui est donc l'autorité qui gère les investissements, avec le ministère de l'investissement, le ministère du commerce et de l'investissement. Donc, on travaille auprès de ces ministères pour les aider à élaborer la norme, pour les aider à la rendre accessible, pour les aider aussi de manière plus générale à digitaliser toute la chaîne d'information juridique et fiscale. Alors, troisième élément de ma présentation, c'est effectivement ce cadre juridique qui s'inscrit, et on peut peut-être passer à la slide suivante, qui s'inscrit dans la stratégie 2030. Donc, dans la vision 2030. Alors, le cadre, le pays est un pays qui répond à la charia et à la loi islamique, tout le monde est au courant.
avec une base qui est une base civiliste. Donc, on a le droit civil qui est là et les juristes vont retrouver des fondamentaux aussi du droit civil. Ce qui est très intéressant, on connaît cette vision 2030. Cette vision 2030, elle est là pour à la fois préparer, on va dire, le post-pétrole. Le post-pétrole, pas pour des problèmes de réserve, on sait que les réserves sont là, mais par rapport à la question de la demande. Et donc, l'Arabie saoudite se prépare finalement à ce post-pétrole et cherche à diversifier son économie et donc à attirer des investisseurs. À partir de là, attirer des investisseurs, je reviens sur la question du climat des affaires, hein. Un investisseur, il ne vient chez vous que parce qu'à un moment, il est en confiance et qu'il se dit que, au-delà, bien sûr, la perspective business est une chose, mais la sécurité de son business en est une autre. Et donc, les autorités saoudiennes, depuis plusieurs années, ont compris cela et modernisent et ont engagé ce que j'appelle cette sophistication du cadre juridique à une vitesse assez impressionnante. À une vitesse assez impressionnante. Et donc, on voit que à peu près tout le champ du droit de l'investissement, du droit des affaires plus globalement, est en train d'être modernisé. Et modernisé dans une forme d'inclusion. C'est-à-dire qu'il y a eu l'adhésion en 2015 au World Trade Organization. On a également, on va dire, l'intégration de l'Arabie saoudite dans plusieurs traités internationaux. Donc, on voit bien qu'on est en train, progressivement, que l'Arabie saoudite est en train de s'intégrer, on va dire, dans la communauté business et la communauté juridique internationale de plus en plus. Je parlais du post-pétrole, il y a aussi, je pense, une alerte qui est une alerte importante pour les autorités saoudiennes, c'est l'IPO manqué d'Aramco, hein, puisqu'on a finalement une toute petite portion du capital qui a été acquise par des investisseurs étrangers. Et donc là aussi, ça a été sans doute un signal pour les autorités locales qu'il était urgent de moderniser le cadre juridique. Sur la slide suivante, je l'ai encore, moi je ne suis pas juriste et je ne veux pas vous embêter avec des choses trop techniques, mais simplement vous dire que en quelques années, donc en 2018, il y a eu une nouvelle loi sur la banqueroute. Évidemment, ça c'est très important. C'est un phénomène qui est valable d'ailleurs dans tout le Golfe. Hein. Tous les États du Golfe ont peu à peu intégrer ces lois sur la banqueroute, sur la faillite, ce qui est extrêmement important, là encore, pour sécuriser le business. L'arrivée de la TVA, qui a été un élément assez structurant et dont le taux a augmenté en juillet. Et puis, plus récemment, sont arrivées des lois sur les cours, ce qu'on appelle les cours commerciales, des lois sur la franchise, des lois sur le droit du travail et sur une nouvelle loi qui est en train d'être éditée, donc est en cours d'examen encore sur le droit des sociétés. Simplement très rapidement sur ces différentes lois, si on peut passer sur la loi sur les tribunaux commerciaux qui est la slide suivante, simplement vous dire que ce qui est en train d'être fait, ce qui a été mis en place, c'est se faire en sorte que toujours pareil dans cette volonté de sécuriser, de rassurer une meilleure qualité, une meilleure transparence du système judiciaire qui pouvait paraître, pour des bonnes ou mauvaises raisons, comme étant opaque. Et donc, ils ont fait en sorte d'apporter cette transparence. Tout ce qui est ce qu'on appelle les modes alternatifs de règlement des litiges qui peut rassurer les investisseurs, la médiation, l'arbitrage, a été aussi très encouragé. Je ne vais pas passer sur tous les sujets, mais je pourrais vous envoyer ma présentation. Sur la franchise, qui est la slide suivante, là encore, on est rentré sur un cadre qui est un cadre juridique qui correspond plus à des standards internationaux. Sur la prochaine slide, nous avons... alors, on va peut-être passer, parce que cela est un peu technique, mais peut-être sur la prochaine, sur le droit du travail. Ça, c'est assez intéressant, et notamment, vous voyez la dernière, l'article 149, l'abrogation
des articles 149 et 150 sur les restrictions qui pouvaient être apportées au travail des femmes. Donc là, il y a eu aussi sur un sujet dont on sait qu'il est extrêmement complexe et pas très facile à aborder, il y a des évolutions assez sensibles ces derniers temps. Et puis, on a en ce moment un projet de loi sur le droit des sociétés, qui est la slide suivante, qui là encore fait en sorte d'apporter beaucoup plus de, on va dire, je reprends le terme, de sophistication dans les différents modèles de société que les investisseurs peuvent choisir, là encore, pour correspondre à des pratiques internationales. Et de manière, et je terminerai par là pour ne pas être trop long, de manière générale aussi vous dire que ce que je peux observer, et ça se voit dans toutes ces lois, c'est une montée extrêmement rapide de tout ce qu'on appelle la compliance, donc la lutte contre la corruption, la lutte contre le blanchiment de l'argent, la lutte contre le financement du terrorisme. Donc c'est véritablement quelque chose aujourd'hui qui parsème toutes les lois qui sont en train d'être diffusées dans les différentes gazettes. Et pour ceux d'entre nous, c'est mon cas, mais ça va être le cas d'autres autour de cette table et dans l'audience, qui signons des contrats, vous pouvez voir toutes les contraintes liées à la compliance qu'on peut avoir. Ce qui est d'ailleurs, à mon avis, un des sujets pour les Saoudiens, c'est qu'ils affichent, vous vous rappelez de la slide sur la vision 2030, ils affichent véritablement une volonté de débureaucratiser leur économie, qui l'est, hein, qui est très, très bureaucratisée. Donc, il y a véritablement cette volonté de devenir un hub entre l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient, en disant qu'il faut qu'il soit facile de faire du business en Saoudi et donc faire en sorte que ce ne soit pas trop bureaucratique. Et en même temps, on sait que la montée de la compliance peut amener finalement une forme de bureaucratie dans les sociétés privées. Et donc, ça peut être société privée ou société mixte. Et donc, on peut avoir finalement d'un côté, ça c'est un risque à mon avis, d'une débureaucratisation de tout ce qui va être véritablement administratif et étatique, mais en même temps, de voir arriver que, notamment avec les questions de compliance, mais comme on peut le voir dans le reste du monde d'ailleurs, hein, ce n'est pas propre à la Saoudie, une forme de bureaucratisation du business. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire en ces quelques minutes, et bien sûr, je pourrais répondre à des questions s'il y en a. Merci Guillaume, c'était très clair, très précis. Ce qu'on fera, c'est que tous les participants qui le souhaitent pourront envoyer un petit mail à contact avec The Global D1 et si Guillaume en est d'accord, on leur enverra le PowerPoint et la présentation pour qu'ils aient un peu plus de détails, surtout les juristes qui veulent un peu savoir comment ça fonctionne. Que les juristes, parce que finalement, oui, mais tous ceux qui quand même à un moment, voilà, le climat des affaires, c'est aussi ce. Voilà, exactement. Alors justement, en parlant de climat des affaires, je vais revenir vers François-Xavier et vers Grégory. Comment vous ressentez-vous, opérateur sur place, ce climat des affaires, et comment, en tant que conseiller du commerce extérieur, vous agissez pour aider ceux qui arrivent à comprendre l'art de faire du business en Arabie Saoudite? François-Xavier, peut-être, ou Grégory, enfin, celui qui se sent… Effectivement, moi, je commencerai par une perception. L'investisseur français que je représente se sent confortable à investir en Arabie Saoudite aujourd'hui. Et pour les raisons qui ont été évoquées, si on les résume, ou certaines d'entre elles auxquelles je veux faire écho, la première d'entre elles, c'est qu'il y a cet aspect appel du marché. Il y a des choses à faire significatives. Il se passe des choses en Arabie Saoudite pour nos business respectifs. C'est la première chose. La deuxième, c'est, je fais écho tout à fait à ce que Guillaume de Roubaix a dit, il se passe de manière très, très rapide une mise en place du cadre réglementaire légal qui est pro-business. Et il est généré par un appel des plus hautes autorités qui veulent faire venir des investisseurs que nous représentons. Ils comprennent bien que ce sont des conditions nécessaires et requises. Donc, ça veut dire beaucoup de transformation. Donc, il y a un côté positif, c'est que des sociétés internationales comme les nôtres, on est en attente de ce cadre réglementaire, on est en attente, c'est nécessaire de se sentir à l'aise avec les compliance. Effectivement, on a ces sujets-là, de mon point de vue. Moins de bureaucratie, on le voit au quotidien. Moi, je le vois. Les choses évoluent. Alors, en Arabie Saoudite, on est parti d'assez loin.
quand vous devez avoir des licences d'importation pour des produits un peu technologiques et que ça prend 6 mois alors qu'ailleurs dans le monde, ça prend 1 mois. Moi, j'ai vécu ça, c'est difficile. Maintenant, c'est des choses qui s'améliorent. Des organismes comme la SAGIA, c'est dans leur rôle premier de faciliter ces choses-là au quotidien. Oui, c'est un changement de culture aussi dans le business saoudien, comme ailleurs dans le Golfe, cette omniprésence de la compliance. Donc, je pense qu'il y a une étape de transition qui s'opère culturellement, où aujourd'hui, parfois, il y a un petit peu de sclérose, c'est-à-dire il y a presque une peur en disant « est-ce qu'on est vraiment compliant ?» Et la réponse est oui. Je suis d'accord, et après, je laisserai la parole à Grégory. Oui, ça amène une certaine lourdeur, mais… C'est vrai partout dans le monde, dans nos business. Donc, en delta, en comparaison de ce que vous allez faire en Europe, aux États-Unis, c'est pas différent. Donc, il faut apprendre à vivre avec ça. La communauté française, le conseil commercial et commerce extérieur, nous sommes là pour nous aider, pour nous donner les clés. Naviguer à la fois sur deux environnements, à mon avis. Le premier, c'est se tenir au courant de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui change, parce que ça change vraiment très, très vite. Et la deuxième, ça a été mentionné avant, c'est de dire qui sont les vrais preneurs de décision. Adressons-nous à la bonne porte. Et ça, c'est des sujets qu'on partage très régulièrement dans le cadre de nos réunions, parce que c'est complexe. Il y a une multitude d'organes gouvernementaux qui sont parfois silotés, parfois ils se chevauchent un petit peu dans leur mandat. Donc, c'est important de comprendre ça. Ça fait partie des clés du business pour moi. Lorsqu'on a préparé ce webinaire, François-Xavier, on avait parlé de l'horizontal et du vertical, la notion délibérative est finalement importante en Arabie Saoudite. Il y a beaucoup de partenaires à aller intégrer, à consulter, etc. Mais au final, il n'y a qu'une seule courroie de décision et qui est souvent assez élevée dans la hiérarchie. Vous pouvez nous redire un peu ça. Et quand on parle de transition, c'est cet équilibre. Il y a une culture de la consultation et du consensus. C'est culturel en Arabie Saoudite. Donc, ceci demeure. Mais néanmoins, quand vous voulez transformer vite, vous êtes obligé de prendre des décisions plus abruptes. Donc, c'est cette dualité que, personnellement, je ressens dans beaucoup d'organes publics et gouvernementaux. Ils doivent gérer ça avec des décisions qui sont très centralisées. Donc, ils sont des acteurs de changement, mais pas toujours décisionnaires. Dans un environnement relativement instable, ou en tout cas à évolution rapide. Grégory Oui, moi je partage ce que dit François-Xavier. En fait, le climat des affaires, nous, EDF, nous satisfait. Si ensuite, je dirais, des mesures législatives sont prises et qui vont encore dans le sens de davantage, je dirais, nous mettre en place des lois qui nous satisfont encore davantage, peut-être tant mieux. Ensuite, il y a un point important, en fait, sur l'Arabie Saoudite, c'est un marché extrêmement compétitif, quel que soit le domaine d'activité dans lequel nous opérons, nous, société française, en fait. Ça, c'est, il y a effectivement une culture du consensus, mais il y a surtout une culture du prix, en fait. Pour gagner, il faut être le moins cher. Voilà. Ça, c'est quand même la clé. Et je le dis parce qu'on peut avoir l'image d'une Arabie où, en fait, on choisit un partenaire local, on a un prix qui est bien, mais qui n'est pas forcément plus compétitif. Puis notre partenaire local va nous faire gagner le projet. Ben, en fait, ça ne marche pas. Pour gagner, il faut un bon partenaire local. En tout cas, il faut un prix. En fait, c'est la base numéro un ici en Arabie Saoudite. Et pour nous, société française, donc qui sont présentes à différentes personnes du CCEF, qui sont des conseillers de commerce extérieur français, qui reprennent une société. En fait, la plupart sont des grands groupes français. Et on retrouve les grands leaders français dans leur domaine, que ce soit dans les gaz industriels, que ce soit dans les renouvelables ou encore d'autres domaines de la défense ou de la consommation ou du secteur bancaire. Voilà. Il n'y a pas de place pour l'instant en Arabie Saoudite pour des petites PME françaises. Donc, nous, on est aussi là en tant que conseiller au commerce extérieur français pour, je dirais, essayer d'expliciter, faciliter l'arrivée de petites PME, de PME plus ou moins grandes, je dirais, pour essayer de pénétrer le marché saoudien. Mais c'est un marché, je dis, je répète, qui est, comme beaucoup de marchés d'ailleurs, mais qui est drivé par le prix. Et donc, le poids du partenaire local, si on a, est important, mais il ne nous fera pas gagner parce qu'il connaît le prince. Hein, ça, faut arrêter de, entre guillemets, de fantasmer. Voilà. Merci, Grégory. Kate, before taking in the last 15 minutes questions from the audience, I would like to give you the floor again, maybe to have... with the you are working for many American institutions, and we know that
there is a special link or a partnership between Saudis and Americans. Could you, in a geostrategic approach, not political but geostrategic, explain us what could be changed, I will say, from January to the coming months after, between the big American state and these allies in the region, because there are many allies, and what will be the role of Saudi Arabia especially? Thank you, Eric. I mean, yes, I forgot to mention the fact that we've had an election in America. I don't actually work for any American companies, but I am associated with the Gulf Arab Institute, which is based in Washington, D.C. And we have had a discussion about what impact a new administration would have. Obviously, there is a historically strong relationship with Saudi Arabia. It's a strategic relationship, and it goes beyond just sale of weapons. If you look at in the past, it used to be that most Saudis would go to American universities to study. But as trade flows have shifted more to the east, you find that there's more interest in learning Mandarin, Chinese, and Japanese, and so on. So I think there will be a change in energy policy by Biden administration. It's more of a green policy. There will be maybe a bit more, it won't be the same kind of close personal relationship that was developed by the Saudi royal family and the Trump administration, but I think in terms of overall relationship, it will last. I mean, let's not forget, Aramco actually has the biggest oil refinery in America. It's not a major supplier of oil anymore, but I think the relationship goes beyond that. I think the Saudi government is preparing for a change in administration. I think we're seeing, we mentioned when we were talking before the session about the relationship with other GCC states. It has frayed a little bit with the diplomatic spat involving Qatar and the UAE and Saudi Arabia. But I think the fact that there is signs of a possible solution to that problem is maybe a gift to the Biden administration ahead of that. And also, I recently wrote about the fact that the GCC does have a certain, it is a bloc, it is a trading bloc, it's quite a powerful one. You've got three of them are OPEC producers. Well, it used to be three, now it's two. Three, yes, with Kuwait. It used to be four with Qatar. And I think you already have a connected electricity grid, which can be expanded to perhaps gas. We've seen it in the East Mediterranean. There's no reason why you can't have that kind of integration, which provides you with security, with cost reduction. It is possible, but I think in terms of the, I think the Biden administration will come down maybe harder on certain issues like the war in Yemen, but generally I think it will survive. And there is a very, very strong cultural relationship as well with Saudi Arabia. So I don't think that's going to change that much. Merci, Kate. Grégory, je sais que vous allez partir parce que vous avez une autre réunion, il est midi. Merci d'avoir participé, merci à EDF de nous avoir un peu présenté ces projets. On vous souhaite bonne route dans le désert saoudien, et puis on va maintenant prendre... Merci Eric, merci. Et nous c'est bon vent voilà, en ce moment. Oui, c'est bon vent, c'est... bonne route et voilà. Bon vent. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, à bientôt. Pour l'éolien, donc c'est le vent qui est important. Merci à vous, en tout cas, au revoir. Merci Grégory. Je pense que Soa doit être avec nous en ligne. Soa, si tu peux activer ton micro. Oui, bonjour tout le monde, je suis bonjour, là. Bonjour Soa. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter Soa Al-Harbi. Elle est membre de l'équipe du Global Diwan. Elle est en charge avec... Shazil Nawaf de toute notre du Middle East, entre guillemets, des contacts avec les pays et les institutions. Elle est doctorante en droit des affaires à Paris 2 Assas. Elle est parfaitement francophone, comme vous l'entendrez dans un instant. Et elle est surtout une femme, maître de conférence à Princess Noura University à Riyad, qui est, je crois, la plus grande université pour les femmes du Royaume d'Arabie Saoudite. Soa, je crois que tu as des questions de l'audience, tu étais en contact, tu nous écoutais attentivement.
Tu as des questions à poser peut-être à François-Xavier, à Kate et à Guillaume. Tout à fait. Bonjour à tout le monde. Merci à nos intervenants pour ce bel échange. Je vous propose de passer quelques minutes pour répondre à ces questions. Malheureusement, il y avait une question qui était destinée à Grégory, mais elle vient de partir. Bon, je pense que... on lui la posera par mail. Oui. Exactement, mais je pense qu'il y aura la réponse de quelqu'un d'autre sans aucun problème, parce que la première question se porte sur le partenaire local. On en a pas mal évoqué le partenaire local. On sait que pendant très longtemps, c'était une obligation. Maintenant, ce n'est plus le cas, mais sauf dans certains secteurs. La question, c'est comment choisir son partenaire local? À qui s'adresser? Comment faire? Guillaume, peut-être, toi, tu as la chance d'avoir, on a bien compris, une princesse de la famille royale comme partenaire. Donc, ça doit beaucoup aider, François-Xavier aussi interviendra. Comment choisir un bon partenaire local? Guillaume? C'est une question qui est effectivement éminemment complexe, cette question du choix du partenaire, parce que, alors je commençais peut-être, si je puis dire, négativement, c'est-à-dire que si vous ne choisissez pas un bon partenaire, vous pouvez perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et aussi votre réputation. Donc, le choix du partenaire est absolument essentiel quand on fait le choix d'avoir un partenaire. Après, on peut aussi essayer de travailler sans partenaire. Mais quand on fait le choix de faire un partenaire, alors il faut prendre le temps. Et je dirais que c'est le premier conseil que je donnerais, c'est qu'il faut prendre le temps de connaître son partenaire. Donc, évidemment, plusieurs choses à faire. La première, c'est de vérifier par rapport à son propre business le niveau de reach, de connexion que votre partenaire va avoir. Ça, c'est important, ça se vérifie de plein de manières. Hein. Il faut être présent sur place, il faut discuter avec les uns les autres, croiser vos informations comme pourrait le faire, par exemple, un journaliste. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est très important, c'est de travailler, on en parlait, François-Xavier l'évoquait tout à l'heure, la question de la compliance. Il faut vérifier, et ça c'est absolument crucial, qui est votre partenaire. Et donc, il y a toute une recherche à faire sur ses antécédents, savoir qui il est et s'il n'a pas quelques problèmes que ce soit en matière de, comme on dit publiquement, en matière de compliance. Comme on le ferait d'ailleurs partout ailleurs, mais je crois que c'est, là aussi, j'insiste, hein, il y a, je rebondis sur ce que disait tout à l'heure François-Xavier, il y a une prise en compte très très forte de ces questions de compliance en ce moment, et donc il faut absolument être intouchable, si je puis dire, de ce point de vue-là. Et puis après, l'essentiel, je dirais, c'est la relation personnelle. Il faut évidemment que la relation soit bonne, et donc ça veut dire qu'il faut savoir prendre un peu de temps et pas s'engager à choisir un partenaire en quelques semaines ou quelques mois. Je dirais que ça prend un peu plus de temps que cela. Il faut se rencontrer, il faut se voir plusieurs fois, il faut commencer sur des petits projets pour voir comment se passe la relation business. Mais c'est un choix absolument crucial, je suis absolument d'accord. Pendant que tu t'exprimais, Guillaume, avant de laisser la parole à François-Xavier, j'ai quelqu'un de l'audience qui nous dit certes, il y a la rule of law, mais il y a la charia. Et en cas d'arbitrage, est-ce qu'un non-saoudien va pouvoir gagner un litige contre un saoudien? Quelle est l'importance des deux lois, finalement, la loi d'origine et puis la rule of law? Non, la loi qui s'applique, c'est bien la loi locale. Hein, sauf, alors attention, c'est pour ça que je disais, dans la loi sur les juridictions commerciales, sont désormais encouragés les modes alternatifs de règlement des litiges. Et donc ça peut être de la médiation, ça peut être de l'arbitrage. Et là, on échappe, entre guillemets, à la loi locale. La loi est toujours locale. La loi est toujours locale, sauf si on choisit des cours internationales via, par exemple, l'arbitrage. La question, c'est quel est finalement le degré d'imprégnation de la charia dans la loi locale. Et c'est pour ça que j'aurais plaisir à partager la présentation qu'on a parcourue tout à l'heure. Depuis 2018, on voit bien qu'effectivement, c'est ce que j'appelais le fait de coller, la sophistication de le fait de coller aux standards internationaux, c'est-à-dire que les lois qui sont en ce moment publiées sont des lois
qui finalement ressemble peu ou prou aux lois qu'on va trouver aux Émirats arabes unis, au Qatar, au Koweït. Et on ne voit pas forcément, je parle bien du droit des affaires, hein, on ne voit pas forcément de gros écarts par rapport à ce que peuvent faire les voisins. Ça serait d'ailleurs, s'il y avait, ça serait d'ailleurs incohérent avec cette volonté d'attirer des investisseurs étrangers. Encore une fois, les investisseurs, ils sont extrêmement rationnels et dans les différents critères qu'ils doivent regarder avant de se lancer, il y en a beaucoup. Un de ces critères, c'est, si on veut travailler sérieusement, c'est le cadre juridique et fiscal. Et donc, on benchmark finalement. On benchmark et on se dit, est-ce que j'ai intérêt à aller allouer mon temps et mon argent dans ce pays ou plutôt dans un autre? Le critère juridique fait partie de ce benchmark. Xavier, comment vous avez trouvé votre partenaire local? Alors, comment ça s'est passé pour Airbnb? Alors, je pense, c'est ce qui est intéressant. Peut-être, je suis très, très ami avec David Guillaume, donc je ne vais pas répéter. Le cadre réglementaire a donné une opportunité importante, selon moi, dans le sujet partenaire. C'est qu'il y a 10 ans, quand nous, on est arrivé en Arabie Saoudite, par la loi, vous deviez avoir un partenaire. Ce n'était pas une option, c'était une obligation. Aujourd'hui, ce cadre réglementaire, il est différent. Il vous donne la possibilité ou pas de prendre un partenaire. Et pour moi, c'est relativement fondamental parce que c'est le premier niveau. C'est-à-dire que maintenant, vous faites ce cheminement intellectuel de dire est-ce que je veux un partenaire ou pas, alors qu'avant, vous y étiez obligé. Donc, pour moi, c'est la première étape, c'est le premier garde-fou, si vous voulez, ça vous force à vous poser les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est qu'est-ce que j'attends vraiment de mon partenaire au-delà de cocher la case. La deuxième chose, Grégory en a parlé, hein, il ne faut pas attendre du partenaire nécessairement qu'il vous ouvre les clés, les portes du business ou d'un business facile. Ça fait partie des mauvaises raisons. La dernière chose pour moi, c'est, et là je corrobore ce qu'a dit Guillaume, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Si je me permettais une recommandation personnelle, ne nous jetons pas dans des partenariats un peu structurés dès le début. Apprenons-nous à nous connaître par un projet, par un partenariat. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Hein. Ça peut être une collaboration, ça peut être une réponse à un appel d'offres par consortium, ça peut être l'établissement d'une co-entreprise. Il y a un spectre très très large. Donc, effectivement, à nouveau, je reviens sur mon sujet du temps long pour s'ancrer, pour comprendre et se poser les vraies bonnes questions. Qu'est-ce qu'on attend de nos partenaires? Dernier éclairage, dans l'un des business des Al-Ittihad en Arabie Saoudite, notre partenaire est en fait une filiale du fonds souverain saoudien. Ce sont des gens extrêmement appliqués à la compliance et à la bonne gouvernance. Donc, vous trouvez sur le marché saoudien des gens qui sont top-notch, si je peux me permettre l'expression anglo-saxonne, en termes de standards internationaux de compliance. Soha, est-ce que tu as d'autres questions? Ben là, je vais m'adresser à François-Xavier. C'était aussi une question qui était destinée à Grégory, parce qu'il a parlé à un moment des appels d'offres. Je voulais savoir, vous pouvez nous expliquer comment ça se passe concrètement, un appel d'offres sur le marché saoudien? Est-ce que vous avez une expérience dans ce cas-là ou juste des idées? C'est une question difficile parce que je pense que c'est comme partout ailleurs dans le monde, ça dépend à quel secteur vous vous adressez. Quel est votre secteur de business? Je vais me faire l'écho de Grégory. Grégory travaille dans le marché des renouvelables. Le marché des renouvelables est régulé par des appels d'offres d'une agence de l'État qui s'appelle REPDO. Donc là, il y a des tenders officiels avec des conditions de marché, des appels d'offres publics et même les résultats de l'appel d'offres qui sont publiés. Pour le business d'Air Liquide, deux exemples, on travaille dans le marché de l'énergie où nous avons des appels d'offres de compagnies privées hein, qui vont s'appeler Saudi Aramco, SABIC et autres. C'est les mêmes mécanismes que vous allez trouver ailleurs dans le monde, que vous soyez aux États-Unis, en Europe ou au Japon. Donc du B2B traditionnel sur des contrats long terme. On est aussi actif dans le secteur de la santé hospitalier où là, les hôpitaux font des appels d'offres groupés. Donc on a le ministère de la Santé et les hôpitaux de Riyad, de Jeddah, qui sont partie prenante. Donc c'est difficile pour moi d'être spécifique parce que ça dépend de votre secteur d'activité. Mais c'est quelque chose, le monde se globalise. Donc les réflexes sont de plus en plus similaires à ce que vous allez trouver ailleurs. J'ai une question aussi qui vient de l'audience. Les projets éoliens dont a parlé Grégory tout à l'heure, est-ce qu'il s'agit de offshore ou de onshore? Est-ce que c'est du terrien ou est-ce qu'il est en mer?
Je ne suis pas un expert, donc vous n'êtes pas. Mais la réponse, ma réponse est, c'est onshore, sur la Terre. C'est sur la Terre. D'accord. Merci. C'est merci. Pour répondre à celui qui nous questionnait. Soa, encore peut-être une ou deux questions. J'avais juste besoin, ça vient de moi en fait. Je voulais juste savoir quand vous avez vécu en Arabie où vous étiez en passage. Comment c'était votre expérience, ce contact avec la société? Parce qu'on sait qu'avant s'investir dans un endroit, il faut connaître la culture, il faut connaître la société. Comment vous avez appris à être en contact avec la société saoudienne? Alors, c'est une très bonne question. Vous voyez, en préparant ce webinaire, je me suis reposé cette question moi-même, parce que j'ai vécu 4 ans en Arabie saoudite avec ma femme, mes enfants, qui avaient entre 5 et 10 ans à l'époque. Moi, si je vous partageais mes sentiments personnels, c'est 3 étapes. On y arrive avec une appréhension, on s'y plaît et on part ému. En tout cas, ce serait mon témoignage. Donc, on y arrive avec une appréhension, je parle de mon cas personnel, évidemment, puisque vous venez avec c'est un pays qu'on ne connaît pas. Voilà, j'ai vécu dans beaucoup d'endroits du monde. C'est la première fois où j'ai signé un contrat avec mon employeur sans avoir jamais mis les pieds dans ce pays. Donc, on peut avoir des images d'Épinal, des images incorrect de ce qu'est la réalité de l'Arabie saoudite. Vous venez avec une appréhension parce qu'il y a un inconnu. Et au final, on s'y sent bien. À nouveau, Grégory pourrait donner son témoignage, mais on a passé 4 ans extraordinaires. Donc, on s'est senti très à l'aise dans ce pays. On a fait du tourisme pour rebondir sur un point qu'a mentionné Eric. C'est un pays sous-continent. Il y a beaucoup de choses à faire. On n'a pas attendu à Loula, mais il y a un vrai héritage. Il y a un vrai accueil pour moi. Ça reste c'est un pays où je trouve, en tant que Français, culturellement, on matche assez bien. Donc, on se sent assez vite, assez à l'aise, me semble-t-il. Et c'est soit du point de vue business ou du point de vue privé. Et donc, c'est un moment qui passe vite. Et j'ai fini par avoir des amis saoudiens. Donc, ça, c'est vraiment important pour moi. Et maintenant, comme Guillaume, je me déplace régulièrement en Arabie saoudite toujours parce que je couvre la zone, mais même basé à Dubaï, j'ai encore beaucoup d'échanges avec mes amis saoudiens. Ça se fait par le biais du travail. Il faut apprendre à se connaître. Donc, il y a un temps d'adaptation et d'adoption, mais pour moi, ça reste une expérience très positive. Merci beaucoup. Tu as encore des questions, Soa? Sinon, moi, j'ai malheureusement quelques question plus critique qui me remonte de l'audience, de ceux qui nous écoutent, pas toujours d'ailleurs de gens identifiés, mais je me dois en toute transparence de poser ces questions. Plusieurs mentionnent la guerre au Yémen. Est-ce que dans le milieu des affaires, Kate, maybe you could answer this very touchy question about the business atmosphere compared with some, unfair practice, and especially the current war. I don't know where is it exactly. Is it finished? Are the bombing still acting or not with Yemen? And is it interfering with the confidence the foreign investor will have or could have or may have on the foreign investments in Saudi Arabia? I think it depends on where the investment is, like the Jazan economic city, which is very close to the Yemeni border. We've seen some attacks there. We've seen some attacks from the Houthi rebels in Yemen reach as far as Jeddah recently. You know, there was an oil storage tank. Abqaiq obviously was the big one. I think I was actually in Saudi Arabia during one of those attacks that struck near Riyadh Airport. So I think it's increased the risk, but I don't think that is the only reason why we've seen a decline in foreign direct investment. I think there are other reasons for that. Part of it, and it preceded the pandemic, and of course it's been exacerbated by the pandemic. We've seen, for example, they had, I think, a 10 billion FDI target for 2019. They didn't reach that, and what we've seen so far, obviously there is an issue with
not just the Yemen war, but other reputational risk, which I think will take time to sort of move away. And well, you know, one thing that is really important, you can't really afford not to have foreign direct investment, because that was, you know, Vision 2030 was predicated on attracting foreign investment, stimulating private sector, because at the end of the day, you have a social contract. That on which the relationship between the government, the state, and people was based. So either you create jobs or you continue with the social contract, but you can't afford to do that when revenues are down and below what you need in order to just pay public sector salaries, because the public sector is quite large. So I think there's a reputational risk that needs to be managed. And the security risk, I don't think, is that huge, more so in the South. But it depends on what happens. You know, you have a new US administration, which mm-hmm. may ease tensions in the region, or it may lead the other way, because mm-hmm. Iran obviously is the country we didn't mention. But Iran, yeah. If there is a change in the attitude towards Iran, if sanctions are removed, you're going to have double tension, because you're going to have Iran resuming oil exports again, maybe not so much at the beginning. And it's also worth remembering that you now have a sort of troika of countries that dominate the energy scene. You have the United States, Saudi Arabia, and Russia. And these three countries are going to have to continue to cooperate because of the difficult circumstances that the energy sector finds itself in. But again, I will quote one of your great former CEOs of Total, Christophe Nemajeri. He said once at a conference in Paris, he said, you know, if you lose Saudi Arabia as a supplier of energy, you might as well turn the lights off and go home. Mm. We're on Zoom now, so the lights are on, and Saudi Arabia still provides roughly about 1 in 10 barrels that are produced in the world today, and will continue to be a major supplier. Mm-hmm. So I think, as we all said, it is the largest economy in the region. And in terms of security, you've lived there with your children. In terms of actually personal security, I feel much safer in Dubai and Saudi Arabia than I do walking the streets of London at night, for example. So, voilà. Thank you, Kate, for... merci à tous. Je pense que nous devrons, Soha, refaire un prochain webinar sur l'Arabie Saoudite ou avec des Saoudiens, parce qu'on n'a pas du tout parlé du G20, on n'a pas du tout parlé de cette présidence... Si, Kate en a parlé, mais il faut qu'on revienne un peu dessus. Et donc, je vous propose l'année prochaine d'organiser quelque chose. Merci à tous. Guillaume, tu voulais dire quelque chose? Non. J'ai vu ta main qui se levait. Non, tu disais au revoir, c'est tout. Non, je disais un petit mot très rapide par rapport à ce qui était dit, c'est-à-dire des personnes qui... vous pouvez poser des questions un petit peu plus difficiles. Oui. Juste dire que je le comprends, c'est-à-dire que moi, je partage ce qui a été dit, c'est-à-dire que quand on est en Arabie Saoudite, on voit des changements très rapides, on voit des gens très accueillants, qui ont vraiment soif d'apprendre et de s'intégrer dans la communauté internationale. Je crois que c'est un fait. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut avoir une image idyllique du pays. Il y a encore beaucoup de choses à faire, en tout cas parfois aux yeux d'occidentaux, ce qui n'est pas une vérité absolue. En tout cas, c'est aussi pour ça qu'on peut avoir ces messages. Mais quelque part, je crois que là, il faut quand même être sur cette note positive. Si tout n'est pas parfait, il faut noter une transformation qui est extrêmement rapide et qui va dans le bon sens. Et quelque part, moi, je faisais ce focus sur le droit. Ce que je pense, c'est qu'à chaque fois que vous avez du droit, et ça passe souvent par le droit des affaires, ça irrigue dans le reste de la société. J'ai donné un exemple tout à l'heure avec la loi sur le travail. Et donc, il faut, voilà, je pense qu'il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas tout idéaliser, ça serait une erreur et une bêtise. Mais il faut noter une progression rapide d'éléments qui vont sans doute dans le bon sens. Très bien, c'est sur ces mots optimistes que je conclurai ce webinaire. En tant que host, je l'ai trouvé extrêmement intéressant et très interactif. On a parlé en français et en anglais, c'est un peu nos langues de travail. Et merci à tous et à très bientôt pour un nouveau webinar et notre prochaine newsletter du Global Diwan qui paraîtra juste avant Noël, autour du 20 décembre. Merci, au revoir.